Si j'ai quelques routages statiques, nous allons vous dire comment les routages statiques fonctionnent. Il existe plusieurs types de routages parmi lesquels nous avons les routages statiques et les routages dynamiques. Cette fonctionnalité faite par le routeur, on appelle routage, c'est acheminement du paquet d'un destinataire vers un autre. Et c'est la fonction principale du routeur. En se basant sur son tableau de routage, il va voir quel chemin qui va lui permettre d'acheminer un paquet. Ici, le routage statique qui consiste à configurer d'une façon manuelle. Par exemple, si ce PC veut communiquer avec ce PC, ils sont des réseaux différents. Le routeur permet de différencier d'un réseau vers un autre. Si ce PC veut communiquer avec ce PC, il faut qu'il y ait un chemin dans ce routeur D qui permettra d'acheminer un paquet vers ce routeur, c'est-à-dire il y a un chemin qui va acheminer vers ce routeur. Et si ce chemin n'existe pas, le paquet ne sera pas acheminé. Il sera directement supprimé à ce niveau. Le routage statique est fait d'une façon manuelle. Ça va aider et ça consomme pas beaucoup de bandes passantes au niveau du routeur. Il consomme des bandes passantes, il est en même temps rapide, mais il n'est pas utilisé. Par exemple, il demande beaucoup de travail. Lorsqu'on ajoute un réseau, par exemple, on a besoin de venir configurer au niveau du routeur qu'il faut acheminer vers ce routeur. Et c'est là, c'est tellement ennuyeux pour un administrateur. Et souvent, on utilise des routages dynamiques tels que RibOSPF et GRP. Mais aujourd'hui, on va voir le routage statique. Il est bon d'avoir des connaissances statiques. Premièrement, on doit commencer par les routages statiques, si vous comprenez les algorithmes, comment ils fonctionnent. Après, on va traiter les routages dynamiques. Aujourd'hui, on va entamer ce sujet. Mais comment on doit configurer ces routages? Il existe des façons de les configurer. C'est-à-dire, si ce PC veut partir, veut envoyer un paquet vers ce PC, il faut que ce routeur connaisse le réseau distant. On met adresse IP, hyperroute, réseau distant. Mais à ce niveau, il y a deux façons de configurer, soit l'interface de sortie, soit l'adresse IP de transmission. L'interface de sortie, on met cette adresse. Par exemple, on dit à ce PC IP route, on met cette adresse réseau et on met l'interface de sortie. Cette interface pour que le paquet soit acheminé, pour que le paquet sorte de cette interface et achemine vers ce réseau. Soit on a une autre façon. Par exemple, on met IP route, adresse du réseau distant, on met l'adresse IP du tronçon suivant. C'est-à-dire, c'est le. On met l'adresse IP du tronçon suivant, c'est-à-dire on met 192, 172, 172, 168.4.1, on met, et à partir de ça, que ça va acheminer. Maintenant, nous allons voir au niveau des différents PC, il y a la connectivité sans problème au niveau local, et nous allons aussi tester au niveau des réseaux, à cet stade. Ensuite, on va voir les tables de routage. Voici cette adresse. On va pinger à partir de celui-là. Il faut qu'il y ait la connectivité. Il y a la connectivité sans problème au niveau du routeur. Au niveau du routeur aussi, il y a la connexion sans problème, ça marche sans problème. Maintenant, on va tester à ce niveau. Il suffit de prendre un paquet et mettre ici, ça fonctionne sans problème. Maintenant, il faut aussi prendre un paquet et mettre ici, ça fonctionne sans problème. Donc, c'est d'aller, on voit le message, successful, c'est d'aller, fonctionne. Soit on prend un paquet, on met d'un PC émetteur vers le PC destinataire, soit on fait le ping, on prend l'adresse IP du PC distant, on fait ping. On a des possibilités. Par exemple, maintenant, si ce PC0 veut communiquer avec ce PC3, le message ne va pas marcher. Par exemple, il va nous envoyer faire. C'est normal parce que ce routeur ne connaît pas vers quel chemin va acheminer le paquet. Par exemple, si on fait mode simulation, vous allez voir d'une façon très claire. Par exemple, j'efface, delete le scénario. Ensuite, je fais comme prendre un paquet et mettre sur le PC destination ou faire un ping.
Le PC va envoyer au niveau du routeur. Le routeur ne sait pas vers où envoyer. Il va renvoyer le message au PC. C'est-à-dire qu'il ne sait pas où envoyer. Il sera obligé de renvoyer au PC qu'il a envoyé le message. Maintenant, ça, c'est-à-dire que dans le cas, le PC ne connaît pas, le routeur ne connaît pas le chemin distant, le paquet sera renvoyé au PC distant et où le paquet sera détruit. Il a deux options. Maintenant, nous allons configurer le routeur statique pour qu'il y ait la communication aussi de ces réseaux. Nous allons prendre cette façon, premier ou deuxième, ça dépend de votre choix. C'est-à-dire, ça, on met l'interface de sortie et l'autre, on met l'adresse IP de tronçon suivant, c'est-à-dire, on met l'adresse IP de cette interface. Maintenant, je vais venir au niveau de ce routeur. Par exemple, si on veut il y a la communication au niveau du routeur RD, il faut qu'il connaisse ces réseaux et ces réseaux. Ce routeur RD doit connaître trois réseaux pour qu'il ait la communication totale. Et ce routeur, il faut qu'il connaisse ces réseaux et ces réseaux pour qu'il ait la communication totale. Mais ce routeur, il est connecté à ces réseaux, il connaît immédiatement. Mais il faut qu'il connaisse cet réseau, il faut qu'il connaisse ces réseaux et ces réseaux. Le routeur R0 doit connaître des réseaux distants et les autres doivent connaître trois réseaux distants. Maintenant, nous allons passer à la configuration. Avant de passer à la configuration, il faut que vous voyez les tables de routage. Pour voir les tables de routage, on tape la commande IP show IP. Vous allez voir que dans les tables de routage, il y a seulement les chemins qui sont directement connectés. Donc, comme on n'a pas encore configuré les stages, le routage dynamique et statique, il n'y aura pas le routage sur la table de routage. Maintenant, on va venir sur cette. On va faire le même tâche. Show IP route. On va voir aussi si cette routeur 0 il est connecté à trois réseaux. Des interfaces sérieuses. Et une interface face Ethernet. On va venir au niveau de ce routeur. Ce routeur est connecté aussi à des interfaces. Une interface face Ethernet, une interface face Ethernet et une autre interface qui est sérieuse. Maintenant, nous allons passer à la configuration statique. On va venir ici. Nous allons faire la configuration statique IP route. Et il faut venir prendre l'adresse distant, celui-ci. Ensuite, il faut mettre le masque du réseau distant 255 255 255 0. Maintenant, à ce niveau, on a des choix. Soit on met l'interface de sortie, soit on met les tronçons suivants. Moi, j'ai mis l'interface de sortie. Et si vous voulez mettre les tronçons suivants, il suffit de mettre l'adresse IP de cette interface. Par exemple, les tronçons suivants, l'interface de sortie, c'est serial 010. Je mets serial 0110 et je tape. Je dois aussi. Pour que si ce PC veut communiquer avec ce PC, le paquet va passer à ce niveau. Et il faut que ce routeur connaisse cette chemin aussi, afin d'acheminer le paquet correctement. On doit aussi mettre cette réseau. On a 5. Je vais mettre 5. Et en même temps, on va aussi mettre cette interface, c'est un réseau aussi distant. C'est 3. Maintenant, lorsque ce PC veut communiquer avec ce PC veut communiquer avec le PC 3 ou le PC 5, le message, si ce PC envoie le ping, ce PC il connaît ce chemin. Le paquet sera sorti. Le PC va envoyer le paquet vers ce réseau. Et ce réseau. Mais il n'y a pas de retour. Donc on va configurer. Il faut que ce routeur
aussi connaît Cyril. Ce réseau est 192.168 1.0 et masque 255 255 255 0 et je mets l'interface de sortie qui est serial 010 je mets serial 011 0 et pour que CPC3 s'il veut communiquer avec CPC2 il faut que ces routeurs connaissent par où acheminer ces paquets donc ils connaissent le paquet va venir à ce niveau et il sera bloqué car le routeur n'a pas l'adresse réseau distant dans sa table de routage donc il faut comme cette adresse IP distant ce 3. On a configuré ces routeurs, on a configuré ces routeurs. Il faut que ces routeurs aussi connaissent le réseau distant. Il faut qu'ils connaissent trois réseaux distants. Ces réseaux distants pour communiquer avec ces machines et ces réseaux distants pour acheminer le paquet vers ces réseaux et ces réseaux pour communiquer avec eux aussi. Et on va choisir l'interface de sortie, c'est Serial. Serial 011111. Et on va mettre aussi cette adresse de. Et on va aussi mettre l'adresse de celui-là. Si par exemple ce PC est en bon, le paquet sera acheminé ici, mais lorsqu'il vient ici, il sera calé. Il faut que ces routeurs connaissent ce chemin afin que le paquet soit acheminé sans problème. On met 24. Maintenant, on a déjà configuré tous les routages statiques. Maintenant, on va vérifier les tables de routage des différents équipements, c'est-à-dire le routeur. Maintenant, vous allez remarquer que ce routeur connaît la topologie déjà, c'est-à-dire le réseau. Voici S, c'est-à-dire routage statique. Voici directement connecté via serial 00. Il y a trois routages statistiques qu'on a configurés de façon manuelle pour 5, pour 4, et 5, 3 et 2. Après configuration, on peut voir. Dans les tables de routage du routeur RD, après avec la commande show IP route. Maintenant, on vient au niveau de ce routeur. On va aussi voir les tables de routage. Voici, sur ce routeur, on a tapé des réseaux. On a configuré de façon statique des réseaux de temps 1.1 et 0.3. 0.1 c'est réseau, 0.3 c'est réseau. Donc on a dans sa table de routage des routes statiques. Maintenant on va venir à ce niveau pour voir. On a configuré trois routes statiques de façon manuelle. Voici 1, 2 et 3. Maintenant la communication. C'est-à-dire, ces routes, par exemple, si ce PC veut communiquer avec ce PC, il va passer toujours à travers le routeur. Et maintenant, ce routeur, il connaît le chemin. Quand un paquet est destiné à ce réseau, il connaît déjà le chemin se trouve dans sa table de routage. Par quelle route il va router, il se trouve déjà sur sa table de routage. Ici, c'est le 0.3 aussi, il se trouve dans sa table de routage. Et maintenant, la communication entre ces réseaux. Maintenant, le réseau peut
CP, n'importe quel PC doivent de connaître, exemple, n'importe quel PC peut pinguer l'autre. Mais comme le routeur, on les a déjà configurés de façon manuelle, et les tables dans leur table de routage, les chemins de chaque route se trouvent. Maintenant, par exemple, si ce PC, on voit son adresse, je vais communiquer avec ce PC. On vient en mode réel. Par exemple, si ce PC veut communiquer avec ce PC, il doit envoyer ping à ce PC pour tester la connectivité. Et on vient au niveau de ce PC, on prend son adresse 3. On vient au niveau de ce PC, on teste avec le ping. Ça va prendre un peu de temps puisque c'est maintenant qu'on vient de le configurer. Ça va sortir un timeout. On a déjà configuré le routage statique. Maintenant, on va tester le ping. Il suffit de venir n'importe quel PC. Par exemple, ce PC, on vient, on prend cette adresse IP. Et on vient, on teste ici, à partir d'ici, à travers la commande. Voici le ping marche sans problème. Et maintenant, on vient par exemple, on teste ici, on prend cette adresse IP. Alors, il y a distance, par exemple, d'ici, on vient sur cette machine. On teste le ping pour tester la connectivité au sein des réseaux distants. Voici le ping aussi manque sans problème et c'est correct. Et maintenant, si on prend ce paquet, on met ici, successful, le ping a marché sans problème. On prend ce paquet, on met ici. Ah, on met ici, le ping a marché sans problème. On prend ce paquet, on teste ici, le ping a marché sans problème. On teste à partir d'ici, le ping a sans problème. C'est-à-dire maintenant, n'importe quel PC peut communiquer avec n'importe quel PC peut communiquer avec l'autre, les réseaux distants, c'est-à-dire à travers le protocole de routage. On a fait aujourd'hui, on a fait le routage statique. Le routage statique est fait de façon manuelle, c'est-à-dire il suffit de venir au niveau du routeur et indiquer le chemin, indiquer l'adresse IP du réseau distant. Soit on utilise technique, on a des techniques, on met adresse IP, on met adresse réseau distant, adresse de réseau distant et l'interface de sortie, c'est-à-dire par exemple si ce routeur veut venir à ce routeur, on met l'adresse IP distant, celui-là, on met l'interface de sortie, on met l'adresse IP, on met aussi le masque, il ne faut pas oublier le masque, on met le masque absolument, ici adresse IP, adresse IP route, adresse réseau distant plus sa masque, adresse de réseau distant plus sa masque plus l'interface de sortie. Et si par exemple on veut venir cette réseau, on veut venir cette réseau, on met son adresse IP, on met son masque obligatoire et ensuite on met soit l'interface de sortie, soit on met le tronçon suivant. Si j'ai pas mis adresse masque, c'est que c'est que vous connaissez déjà, vous allez mettre un masque. Aujourd'hui, nous avons vu le routage statique. Le routage statique, il est très rapide, il consomme peu de bandes passantes, mais il n'est pas beaucoup utilisé dans des réseaux de grandes entreprises, par exemple, des réseaux de grandes entreprises. Quand on ajoute le nombre de machines ou quand le réseau s'agrandit, on ne peut pas toujours venir faire la configuration dynamiquement et statiquement pour que le routeur connaisse le chemin. Ça prend beaucoup de temps et il n'est pas tellement apprécié dans le monde des entreprises, mais il est très bon. Ça consomme peu de bandes passantes, il est rapide, il a une distance administrative qui est 1, il est rapide par rapport à d'autres protocoles de routage dynamique. Merci de votre attention, à très prochainement.